Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un haul action. J'ai acheté des trucs à action, je vais vous montrer tout ça. Et il n'y avait pas la queue devant le magasin. Ouf, ouf, oura, 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 ouf, 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 ouf. J'en ai marre de faire la queue pour la Primark à action à Zaran. Ça saoule, c'est vraiment relou. Bref. Donc on va faire un haul action. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et rejoignez la famille Monjumeu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. Je vous montrerai les prix à l'écran comme d'hab, parce que pour vous le dire tout de suite, les prix je me rappelle vraiment pas, je sais même pas, j'ai même pas regardé les prix. Même dans le magasin j'ai pas regardé les prix. Donc pour commencer, ça je l'ai ouvert, j'ai mangé déjà un gâteau. C'est des gaufrettes au chocolat blanc. Comment ça s'appelle? Choco wafer. Ça s'appelle Choco wafer. Et c'est super bon, ils sont trop trop bons ces gâteaux, il y en a 6 dedans, mais franchement ils sont délicieux. La dernière fois que je suis à l'action, j'en avais pris et j'avais tellement aimé que là j'en ai repris. Après, je me suis pris une boîte de rangement. Une grosse boîte comme ça. En fait, c'est ce dessin là. C'est la boîte qu'on voit dans le dessin. On voit la couleur là. C'est pour ranger au pied de mon lit mes pyjamas. Donc voilà. Je vous ai filmé un room tour. Je vais vous poster bientôt, mais il n'y avait pas tous ces trucs là que j'ai acheté aujourd'hui. Il n'y avait pas cette boîte. Il n'y avait pas les bougies que j'ai achetées, plein de choses comme ça. Tant pis. Je me suis pris une boîte de perles. En fait, c'est l'essentiel pour faire des bijoux de perles. J'ai envie de faire un espèce de bracelet, vous savez, les... Comment ça s'appelle? Les bijoux de téléphone. J'ai envie de faire un bijou de téléphone à mon téléphone en perles comme ça. On a là la pince, les fermoirs, les petites perles, du fil. J'espère qu'il y a du fil élastique à l'intérieur. C'est tout ce que j'espère, moi. Je pense qu'il y en a. Il y a tout, il y a les fermoirs, il y a les cadenas, il y a tout, il y a plein de perles. Donc voilà, je suis bien contente. J'ai bien fait d'acheter ce truc. Après, je me suis pris des feutres pinceaux. C'est pour mon bullet journal. C'est des feutres pinceaux. Pastel. Après, j'ai pris deux photos phares comme ça. Parce que j'ai pris des bougies qui vont avec, vous allez voir. Ils sont trop trop beaux, regardez. Ils sont trop beaux. Sérieux, ils sont magnifiques. C'est trop mignon. Et en fait, j'ai pris ça avec ça. Pour les mettre à l'intérieur. Et à travers le plastique, elles sentent super bon. Les fruits rouges. Donc voilà, c'est des bougies aux fruits rouges. Après, j'en avais plus, ça, j'en avais besoin. C'est du liquide pour mes lentilles. Le mien il était périmé en fait, j'en avais mais il était périmé. Donc c'est du liquide pour les lentilles. Il y avait pour les yeux sensibles et celui-là. J'ai pris le normal. Après je me suis pris des papillons comme ça. En barrette, à mettre dans les cheveux. On va essayer sur mon foulard ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Est-ce que j'ai mal fait d'acheter ce truc? C'est trop mignon. C'est trop cute. Oh là là, j'aime trop. J'aurais dû en prendre deux paquets. C'est toujours ce que je me dis quand j'aime bien un truc que je viens d'acheter. Je dis, mais pourquoi je l'ai pas pris en double? N'importe quoi, j'ai pas besoin d'un double. De le prendre en double, c'est n'importe quoi. Mais j'aime trop ces petits papillons. C'est trop mignon. Trop cute. Après, on a bientôt fini. Je me suis pris un spray... de parfum ambiance. Mais en fait les gouttes elles sont trop grosses. Ça pulvérise des trop grosses gouttes. Ça tombe par terre, ça mouille le parterre. Donc en fait il faut mettre sur les rideaux, sur l'oreiller, sur les draps, sur les tissus. Sur les tissus. Ça mouille, ça fait des gouttes trop grosses. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Ça fait trop grosses gouttes. Mais ça sent bon. Ça sent le thé. Et le citron. Ça sent le thé et le citron. Donc voilà. Je me suis pris une crème hydratante à l'acide hyaluronique. De chez Elisa Jones. La marque c'est Elisa Jones. J'ai ouvert la boîte pour voir comment il est le packaging de la crème. J'aime bien. Moi dès qu'il y a de l'acide hyaluronique, j'achète. Là il y a l'aluminium encore. Mais je testerai, je vous redirai ce que ça vaut.
La crème hydratante dont je vous avais parlé sur Instagram qui vient de chez Normal, elle était pourrie, je l'ai donnée à ma mère, je l'ai pas du tout aimée. Je l'ai pas du tout aimée, elle faisait des traces blanches et tout, donc celle-là on verra si elle est mieux. J'espère qu'elle est mieux. D'habitude cette marque Elisa Jones chez Action, j'aime bien leurs produits. Donc voilà. Et enfin, je me suis pris des Werther's Original au caramel. C'est des bonbons à sucer au caramel. En fait, j'ai arrêté les chewing-gums à la nicotine et j'ai arrêté les chewing-gums tout court en même. Donc il me faut des bonbons à sucer dans ma bouche parce que sinon je suis pas de plomb. Ça fait même pas un an que j'ai arrêté de fumer, ça fait pas longtemps. Donc il me faut un substitut, il me faut des bonbons, mais il me faut soit un bonbon, soit un chewing-gum. Mais les chewing-gums à la nicotine, j'ai décidé d'arrêter. Comme ça, de la nicotine, c'est fini pour moi. La nicotine, c'est terminé avec moi. Je m'en fous de la nicotine, je veux plus de nicotine, c'est bon. Finito, histoire terminée. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Action, ma chouchou d'amour. J'espère que la vidéo vous a plu. Je fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!